Ça y est, l'Olympique Lyonnais est en première division. Pierre-Lec face à Barbuz. La frappe et le lob. Lyon est champion de France pour la première fois de son histoire. Il y a deux hommes en matière sportive et d'entreprise sportive qui ont marqué leur siècle. Le premier 20e siècle, c'est Édouard Herriot. Il a construit le stade de Gerland. Et au 21e siècle, Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas passera dans l'histoire, il est déjà dans l'histoire pour avoir fait ce qu'il a fait au Groupama Stadium. Fils de professeur de lettres et de mathématiques, Jean-Michel Aulas se tourne après le bac vers l'informatique et la gestion avec une licence en économie. Il montre en parallèle de belles aptitudes ballon à la main et évolue en première et deuxième division de handball dans les clubs de l'Arbrel, de l'ASM Lyon et de Villefranche-sur-Saône. L'économie, l'informatique et le sport de haut niveau, les bases de sa future réussite. En 1983, Jean-Michel Aulas fonde Cegid, compagnie européenne de gestion par l'informatique décentralisée. Une entreprise spécialisée dans les logiciels de gestion et de comptabilité. Le succès est rapidement au rendez-vous et va lui ouvrir de nouvelles portes 4 ans plus tard. Alors que je suis premier adjoint au maire de Lyon, l'homme déboule dans le football. Il y a eu toute une série de péripéties qui affectaient ce club. Et voilà un pro qui arrive. Le pro, il n'est pas sur le terrain, le pro c'est celui qui organise, c'est Jean-Michel. En 1987, Jean-Michel Aulas succède à Charles Miguirian et devient le 8e président de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. L'OL, alors en 2e division, va connaître un incroyable essor. Il a changé tous les codes parce que Lyon n'était pas une ville de foot, l'OL n'était pas un club qui gagnait, n'était pas un club qui était construit pour gagner. Donc il a changé tous les codes. Et lorsqu'il est arrivé, il nous a tout de suite fixé des objectifs qui au départ nous paraissaient complètement utopiques, puisqu'il nous a très vite dit qu'il voulait faire de Lyon un club européen. Pour nous, ça nous paraissait très utopique. Et toutes les étapes ont été franchies, les unes après les autres. Remontée du club, 2 ans plus tard parmi l'élite. Retrouvailles avec l'Europe en 1991. Boudère Balassan, tribute ! Fantastique ! 2e place du championnat de France en 1995 et premiers exploits européens l'année suivante. Belle but, la tête, but ! Voilà, oui ! Jean-Michel Aulas, le président. Voilà le trio de l'Olympique Lyonnais qui vient d'écrire une des plus belles pages de son histoire. À l'image de son président, l'OL devient un incontournable du football français et les récompenses ne sont plus très loin. L'arrivée au capital du groupe Pathé permet à Jean-Michel Aulas de faire venir de Barcelone en 1999 une star du football international, Sonny Anderson. L'arrivée de Jérôme Sédou et Pathé, puis celle de Sonny Anderson, ont donné encore un nouvel élan. Mais chaque fois qu'on pensait avoir touché le Graal avec l'arrivée de Sonny Anderson, chaque fois qu'il y avait une nouvelle ambition, il y avait un nouveau titre. Je me rappelle encore le lendemain du premier titre, et une des questions qu'on lui a posées, alors qu'on venait d'être champion dans des conditions incroyables, le journaliste lui demandait « Mais quel est l'objectif ?» Il dit « Il faut garder le titre », ce qui paraissait complètement inimaginable. L'OL est parti pour une décennie de domination. Victoire en finale de la Coupe de la Ligue en 2001, 7 titres de champion de France consécutifs à partir de 2002 et même un doublé historique, championnat Coupe de France en 2008. C'est quelqu'un qui a toujours soif de projets nouveaux, d'ambition.
C'est une constante avec Jean-Michel, c'est d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. Donc effectivement, il y a eu les succès avec les masculins qui continuent, les féminines, l'académie, qui est quand même le point de départ et le ciment de toute la politique. Je pense qu'aussi l'une de ses caractéristiques, c'est de vivre avec le temps et même quelquefois anticiper, c'est-à-dire d'avoir un coup d'avance sur les autres, quoi. Au plus fort de la domination lyonnaise, marqué également par une demi-finale et trois quarts de finale de Champions League, il s'est lancé sur deux autres projets d'envergure. Faire de l'OL le premier club français propriétaire de son stade et développer une section féminine et en faire le modèle européen. Le président a assez vite rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait apporter un plus au club. Et l'avantage de monter cette section féminine, c'est qu'on pouvait arriver au niveau très rapidement par rapport aux garçons. Et c'est ce qui s'est produit. D'où il est parti, il a fait beaucoup de chemin et c'est vraiment une grande personne. Donc ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait, mais aussi pour le personnage qu'il est. Et c'est un visionnaire, mais aussi il est ambitieux. Et quand il a décidé de faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Il ne se pose pas la question des conséquences. En tout cas, il essaye de mettre tous les moyens de son côté pour pouvoir atteindre ses rêves et aussi ses objectifs. Le plus important, c'est que ça a perduré. Ça a perduré, il est toujours aussi investi. Et puis au sein du club, il est en permanence en contact avec nous pour savoir ce qu'on peut améliorer, ce qui peut être fait, comment on peut avancer ensemble. Il va, sur ce plan-là aussi, il a ensemencé quelque chose qui va pousser. Et il sera à l'origine de quelque chose qui va produire, encore une fois. Le stade, ça lui paraissait une évidence depuis longtemps. Il fallait arriver à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour arriver à définir le projet et puis après à l'ambitionner complètement. Donc il fallait avoir l'idée au départ, la ténacité ensuite et puis une petite dose de savoir-faire pour arriver à contourner tous les obstacles. C'est un écosystème aussi sociétal avec tout ce qui a été développé en matière de fondation, de fonds de dotation, d'employabilité. Je crois que c'est vraiment une vue global de la vie qui est posée et qui est très complète. Tout ce qu'il veut réaliser, généralement, 100% du temps, ça se réalise, quoi. Donc oui, il a un certain côté visionnaire. Et sans arrêt en quête de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, mais encore une fois, ça... Il y a plein de gens qui sont comme ça, mais qui ne se donnent pas forcément les moyens de le faire. Lui, il se donne les moyens de le faire et va au bout de ses idées.